m'appelle Nikolaï Badanov. Le lendemain de l'invasion de notre pays par les Allemands, j'ai confié ma femme et mon fils nouveau-né à mes parents et j'ai rejoint l'armée rouge. Dans le civil, j'étais mécanicien à Leningrad. Je n'ai donc pas été surpris de me retrouver dans le 24e corps de blindés. Je ne vis que pour le jour où nos blindés seront dans Berlin. Cette détermination m'a valu mon propre char et mon affectation à Stalingrad. Mon équipage, c'est ma deuxième famille, mais il y a un autre camarade qui est cher à mon cœur. Son nom est Anya Pavlovna. Elle nous a sauvé la vie quand on a pris la fuite dans un T-34. C'était après l'assaut d'une usine désaffectée près de Volgograd. Manque de chance, le moteur a vite rendu l'âme, et la fumée risquait de révéler notre position. Alors, nous avons cherché un endroit sûr pour faire des réparations. Tania, toi et Alexander, trouvez une position surélevée et guettez l'ennemi. On va faire notre possible, Nikolaï. Fyodor, il faut réparer ce char, et vite! Bien, chef. Bombardier allemand! Tous à terre! Tout le monde à terre! En position! Protégez le char! Fyodor, vite! Thank you.
QG est attaqué. Le QG est attaqué. Toutes les unités disponibles peuvent se rendre sur place au plus vite. Suis-moi. Attention. Désolé. Général Belov, le camarade lieutenant Nikolaï Badanov est là pour vous voir. Lieutenant, la situation est grave. Nous avons enrayé la progression allemande avec des cartouches. Cependant, la radio de nos observateurs a cessé d'émettre et nous ne recevons plus de coordonnées de tir. Leur dernier rapport signalait un regroupement de blindés s'apprêtant à attaquer le quartier général. Les observateurs sont dans la tour de la gare. À l'opposé de la place rouge. Prenez une radio de remplacement et portez-la leur dans la tour avant le prochain mouvement allemand. Rompez. Dégagez. On amène un blessé. Ok, posez-la ici. Hé, hey, lieutenant, vois qui on a trouvé. Allez-y, camarade. On s'occupera d'elle. Le char est prêt. En route. Maintenant, allons à la gare.
C'est la nouvelle radio? Bon, les observateurs sont dans la tour, mais l'endroit grouille d'allemands. On va devoir nettoyer chaque pièce l'une après l'autre. Tout ce qu'il te faut. Le bâtiment s'est fait bombarder toute la journée. Sa porte devrait te mener au toit. Le poste d'observation est de l'autre côté. Bonne chance. Chargé, lieutenant. Cette colonne de blindés allemands va faire mouvement. Il faut transmettre les coordonnées de tir. Nouvelle cible. Tir, point, bravo. Angle 78 degrés. Portée 100 mètres. Confirmé. Terminé. Confirmation, nouvelle cible. Tir, point, bravo. Angle 78 degrés. Portée 100 mètres. Attention, tir, terminé. Bien joué! Dans le mille! La colonne blindée est entièrement détruite! Merci, lieutenant. C'était vraiment une sale journée. 42. Veille de Noël. Nous étions sur le point de finir l'opération Petite Saturne que nous avions commencé à Stalingrad, dans un aérodrome isolé, près du village de Tatsinskaya. La mission était simple. Approcher l'aérodrome par le nord en passant par le Don. Couper la retraite et encercler les forces allemandes à qui Hitler avait formellement interdit de se replier. À Tatsinskaya, nous devions prendre l'aérodrome par surprise et détruire le maximum d'appareils afin d'empêcher le ravitaillement des forces ennemies dans la poche de Stalingrad. C'était une mission qui avait tout pour me plaire. Mais les Allemands avaient été prévenus de l'attaque et ils avaient déjà commencé à évacuer dans l'urgence lorsque nous sommes arrivés. Nous avions raté l'effet de surprise, mais la fête, elle, ne faisait que commencer. Vous avez ordre de prendre le contrôle de l'aérodrome ennemi près de Tatsinskaya pour empêcher le ravitaillement de la 6e armée à Stalingrad. C'est une mission très importante, camarades. Bonne chance.
Corbeau, ici chef de peloton. Quel est votre statut, à vous? Chef de peloton, ici Corbeau. Roquette en position. Il nous faut encore 10 minutes. Terminé. Gardez vos positions jusqu'à... Stuka! Stuka! En approche! On m'a interféré! Corbeau, on peut plus attendre! Positionnez les roquettes maintenant! On s'occupe des bombardiers! Thank you.
À toutes les unités, nous sommes pris sous tir anti-char. Impossible d'atteindre l'aérodrome si personne ne s'en occupe. Descendez du véhicule. Allez! Ce bâtiment grouille d'Allemands. Il faut le nettoyer. Sur pied, allons-y. Attention, regroupement de toutes les unités au dépôt ferroviaire. Il faut plus de chars pour attaquer l'aérodrome. En route!
descendez du véhicule. Allez! Camarade, les fascistes se sont retranchés dans la tour de contrôle. Camarade, à l'attaque! Essayons de trouver des renseignements pour le QG. Regardez, ça va certainement en intéresser plus d'un. Retournons au quartier général. Voilà un joli feu de soie, camarade. Ça devrait nous réchauffer pour l'hiver.